Bienvenue à tous et à toutes à cette nouvelle édition de Téléimage où nous retrouvons nos amis téléspectateurs bien branchés, bien accrochés, n'est-ce pas, devant leur récepteur télé dans la zone métropolitaine de New York. On rejoint aussi nos amis internautes à travers le monde sur la page. Ils nous regardent sur la toile à travers le monde, cette fois-ci, devant leur récepteur Internet. Donc encore une fois, à vous, amis téléspectateurs, amis internautes, bienvenue à cette nouvelle édition de Téléimage. Je suis Valerio Saint-Louis. À l'espace de Téléimage aujourd'hui, nous allons parler de ce qui nous intéresse, certainement. On va parler d'Haïti. Depuis notre salle des nouvelles ici à New York, la capitale du monde, nous allons vous présenter notre bulletin d'information, mesdames et messieurs, ce qui a marqué la vie nationale, les informations en Haïti, des informations que vous connaissez peut-être déjà, lues sur les pages des journaux, sur Internet, écoutées sur les ondes des radios. Cette fois-ci, grâce à l'audiovisuel, Téléimage va vous présenter donc les images de ces informations qui ont marqué la vie nationale en Haïti. Informations justement qui font la une de l'actualité ces jours-ci. On parle de kidnapping, on parlera de l'ouragan Sandy qui a fait et des dommages du côté de la côte sud d'Haïti, et puis d'autres informations pertinentes qui nous intéressent, nous dans la diaspora, n'est-ce pas? Alors, avant de commencer cette émission, je veux prendre le temps, amis téléspectateurs, amis internautes, cette fois-ci, pour saluer ces quadruplets qui ont vu le jour quelques semaines de cela. Oui, 4 bébés ont vu le jour et c'est vraiment adorable de voir ça. Regardez ces photos. Voici la photo de ces 4 bébés qui ont vu le jour quelques semaines de cela à Port-au-Prince en Haïti. Alors, je veux saluer aussi la maman de ces 4 bébés. C'est, mon Dieu, son chat qui loue. Pour moi, m'a accouché 4 petits garçons. Oui, c'est tout petit bébé ça, n'a regardé là, ces petits garçons. Oui. Alors, on a salué Madame Madone Laguerre Grégoire, âgée de 30 ans, qui a accouché quelques semaines de ça, 4 bébés prématurés par césarienne à l'hôpital Saint-Damien du côté de Tabar. Les quadrijumeaux sont tous de sexe masculin, tenez-vous bien, mesdames et messieurs. Ils sont de sexe masculin et ils se portent bien. Bravo, bravo à cette dame, bravo aussi au cher papa, qui, je pense, doit être fier d'avoir 4 bébés garçons aujourd'hui, n'est-ce pas? Le père, il est originaire du Cabaret, son nom Rigobert. Il se sent très fier, dit-il. Alors, Rigobert et Madone, il faut dire... Et c'est extraordinaire, ils se sont mariés cela depuis 6 ans. Et depuis mariage, il n'y a pas de jambes de cagé petite. Il n'y a pas de café timoun. Et puis voilà, bon, il y aurait été comme ça. Je ne dis pas, après certainement que ma maman a suivi des traitements médicaux. Voilà que je ne dis pas. Après 6 ans de mariage, il n'y a pas de jambes de cagé petite. Je ne dis pas, bon Dieu gratifié. Avec 4 petits garçons, 4 bébés, vous les regardez là, c'est beau à voir. Alors qu'ils ne pouvaient pas avoir le moins d'enfants, c'est ce que dit l'information que nous avons trouvée, aujourd'hui, ils doivent s'occuper de ces quadruplés. Le père de ces enfants ne cache pas ses inquiétudes, puisque M. Grégoire, qui a étudié le droit, et Marie, bon, papa, je l'ai dit, en face à plusieurs responsabilités, bien qu'il étudie droit dans le pays d'Haïti, il n'y a pas de travail depuis quelque temps. Madame Nini même, qui tape travail dans la fondation SINA, c'est Cimenterie Nationale, et il fait qu'on est que Ticob l'a touché à mes amis, pas assez pour l'occuper 4 petits bébés. Donc, à comprendre ça. Donc, ça veut dire que situation grave en pile, côté que n'a dit bravo, n'a félicité pour tout le monde qui vini, que vini faire plaisir, bonheur. Mais 4 petits mouns, nous comprenons, en même temps, dans le pays d'Haïti, c'est pour un bagage qui est facile. Alors, fond du tout que, bonne nouvelle, hein, toujours dans notre de presse que nous joignons, que le vice-président de la commission de santé au niveau du Sénat, le sénateur Francisco de la Cruz, a rendu visite à ses parents et à ses bébés, en façon pour lui même tout lui à le saluer. Il a l'aider au tout. Alors, dit que le sénateur a dit que 4 bébés ça y a, la PCI et bayo assistance, et ça qui est important, il profitait pour faire un geste symbolique, et geste symbolique ça, côté que papa Timon a dit, il était très content quand même, petit geste ça fait le plaisir, et bien il fait un geste, il bayo un chèque de 5000 gourdes. 5000 gourdes. Enfin, est-ce que ça... Nous connaissons pas assez, 5000 goules quand même, et sénateur Francisco de la Cruz fait geste quand même aux gens pour le capable venir en aide à parents, ça, yo, qui, ce mec qui saute passé là, accouché de 4 bébés, les voilà, regardez, 4 petits bébés garçons, ça, yo, n'a pas dire félicitations, bravo, et puis mes amis, marierez-nous, parce que nous connaissons dans le pays d'Haïti avec la vie chère, Jean-Baptiste Laïa, pour capable lever 4 petits mouns, ça, yo. Situation pas facile. Nous savons que le gouvernement a venu en aide à ces quadruplets. Même ici aux États-Unis, dans le grand pays, l'autant de ces 4 timons qui ont accouché, 4, 5, 6 timons, nous voyons qui ont fait aux États-Unis. C'est gros causé, c'est gros nouvelle. Et puis, l'État, certainement, prend timon ça en charge. Mais nous-mêmes en Haïti, nous pouvons comparer pour ça. Malheureusement. Voilà une façon de commencer cette émission avec un sourire, n'est-ce pas? Monsieur, Gampil, mon cap gade là, monsieur, c'est à terre. Et j'imagine, Gampil, là, nous, des couples qui peut-être pas timon qui t'a aimé 4 timons, ça y est, nous t'a aimé adopter, pas vrai? Alors, les parents sont fiers et contents d'avoir ces quadruplets. Et nous autres, dans Téléimage, nous disons bravo. Nous pas gagné notre timounio, malheureusement, pas gagné notre timounio. Mais ces 4 petits garçons, et bien, famille ça, béni, journée, je veux dire. Voilà pour commencer cette émission avec plaisir, avec un sourire, n'est-ce pas?
Une émission très intéressante aujourd'hui, je vous rappelle. Notre but est l'information. Depuis notre salle des nouvelles, on va parler d'autre chose. Haïti sur la sélecte, encore une fois. Haïti des jeunes haïtiens qui font la fierté d'Haïti dans différents concours internationaux. Et puis certainement, à part de bonnes nouvelles, nous avons sous pays, il y a mauvaises nouvelles, tout. Nous toujours connaissons la bonne nouvelle, malheureusement. Très souvent, quand je présente les informations depuis notre salle des nouvelles, j'ai le cœur serré parce que les nouvelles en Haïti ne sont pas forcément bonnes. Nous essayons, dans la mesure du possible, de vous apporter les bonnes nouvelles d'Haïti, avant tout. Alors, une émission intéressante, restez branchés. Je suis Valerio Saint-Louis, à tout à l'heure. La parfumerie de Barbara a exactement tout ce qu'il faut pour vous, mesdames et vous aussi, messieurs, lorsqu'il s'agit de cadeaux et de senteurs exotiques de parfums en provenance de Paris et de la ville de Grasse. À la parfumerie de Barbara, vous trouverez des parfums de grand nom et de renommée internationale pour hommes, femmes et bébés. Oui, parfums pour bébés. Sentis bon coûte cher, c'est vrai, mais avec la parfumerie de Barbara, sentis bon au rabais. C'est comme ça, soit acheter un parfum, il y aurait tiré 10 dollars sous l'hiver, soit acheter deux parfums, même, il y aurait tiré 25 dollars. Dans la parfumerie de Barbara, n'a besoin de meilleurs produits de beauté, parfums qui sortit directement dans le pays, la France. Déodorant, Obao, Prétil, Bourjois, Fa, Rexona, Bien-être, Fenjal, poudre bourgeois même à gogo dans la parfumerie de Barbara. Crème pour le corps, Mixa, Belda, Montsavon, Bourjois, gel de douche, de grand nom s'il vous plaît. Visitez la parfumerie de Barbara au 1935 Grand Avenue dans Baldwin, Long Island, ou bien appelez Barbara au 516-805-2318 et elle vous rappellera, si vous l'aviez oublié, que la parfumerie de Barbara est aussi la maison des cadeaux. En effet, le coin idéal pour offrir des cadeaux, tels des tableaux, artisanat, articles de souvenirs de notre cher pays Haïti. Rappelez-vous, la parfumerie de Barbara est aussi la maison des cadeaux. Gautier. Gautier, to the power. To the power of two. Ten new friends.